OK, là, je vais analyser la mise en demeure du 31 juillet 2015 que j'ai envoyée au ministère des Transports. Pour fermer la gueule, il faut le dire, des détracteurs qui nous traitent de quérulants à cause qu'on se défend en étant victime du système, de la CSST. Et moi, en plus, j'ai été victime aussi du ministère des Transports. Et c'est pour ça que je vais mettre en évidence ce que j'avance pour prouver que ce n'est pas être quérillant de vouloir se défendre et mettre en évidence les magouilles de ces fonctionnaires qui se prennent pour qui se prennent que la loi n'est pas pour eux autres. Ils peuvent mentir, parjurer, etc. Là, comme si ça va être démontré. Pour les cons qui nous disent aussi qu'ils ont une traite de quérulant, ben, qui elle se fait soigner en pinel parce que après ça, s'ils trouvent que les conneries qu'ils nous marquent sur nos sites, qui pensent encore à ça, qui pensent que c'est vrai, là, ils ont besoin de docteurs, puis qui elle, ça va nous faire plaisir parce qu'ils vont les garder pour plusieurs années. Bon, la lettre du 31 juillet 2015, il m'a répondu que j'ai envoyé, c'est la réponse d'un autre avant. Les autres m'ont envoyé le 24 juillet, reçu le 30. OK. Pour ce qui est du premier, ici, soulignons d'abord que les informations transmises pour lesquelles les jugements ont déjà été rendus en 2003 et 2010 n'ont pas été analysées. Le ministère considère les dossiers comme étant clos. Moi, je lui réponds là-dessus. C'est certain, vous ne pouvez pas commenter des parjures, des falsifications de documents et des faux documents apportés à vos fonctionnaires pour perdre la cour. Donc, on va mettre les preuves en bas du vidéo que j'ai déjà mis sur Internet, mais pour cette phrase-là, autrement dit. Ben, je vais mettre la preuve pour répliquer. Ils ont amené un document en cour, c'est sur ça que le juge s'est appuyé. Puis, c'est un faux document. Puis, je peux le prouver, j'ai mis les preuves. Fait que c'est sûr que si le juge s'appuie sur toutes les menteries, c'est qu'est-ce qu'il dit, c'est parole d'évangile des fonctionnaires, c'est évident qu'ils ne vont rien. Pour ce qui est de l'autre paragraphe, il mentionne, nous vous invitons à communiquer avec Annie la Rivière pour les documents d'information. Ça ne donne rien, il m'a envoyé avant que c'est je demande. Puis comme je vais vous montrer ici, il m'a en envoyé, c'est tout raturé. Je vais en envoyer juste une partie. Fait que, tu sais, c'est du liaisard. C'est public, ça. Quand on va aux ouvertures de. C'est public. Fait qu'ils disent devant tout le monde. Ben, s'ils disent pas, c'est pour protéger les magouilles des fonctionnaires, que je vais vous en exprimer encore, démontrer encore, c'est-à-dire. C'est les magouilles non conformes des fonctionnaires. Fait qu'ils ont le temps là, de magouiller. Les falsifications de documents, j'ai prouvé qu'il n'avait pas fait. Enfin, c'est facile de falsifier d'autres documents à un moment donné si là, je veux être en cours. Fait que là, il va avoir des documents. Ça ne me dérange pas, là. Là, je vais être paré à répondre pas mal à tout. Ben, le troisième, ils disent que, avant de demander mes choses, bon, moi, il faut dire, pour celui-là, M. Calbelanger, là, il est plus brillant que les autres qui m'ont déjà répondu. Parce que lui a répondu quand même. À toutes mes questions, un après l'autre, sans oublier deux, trois, là, qu'à répondre à une, puis, tu sais, au moins, lui a répondu. Lui a répondu le mieux qu'il pouvait pour essayer de protéger ses fonctionnaires. Il n'a pas vérifié, comme qu'il dit, qu'est-ce que j'avance, parce que c'est des jugements. Fait qu'eux autres, pour eux autres, ils étaient fans, ben là, tu sais, nous autres, on n'a pas pris connaissance de ça. Bon. Pour ce qui est de, comme je vous dis, l'autre paragraphe, ils disent que, en ce qui a trait le contrat de l'entretien, du nettoyage, de l'exploitation d'un service de cantine mobile pour la halte routière située sur l'autoroute 40 Ouest à Maskinongé pour les périodes du 1er janvier au 31 juillet 2013, parce que je demandais ça pour 15 000 $, nous vous informons qu'un contrat a été attribué à 2 millions, conformément à la loi sur le contrat d'organisme public. Ce contrat comportait une clause de renouvellement possible
2012-2013, parce que par tacite. Là encore, ça, je ne réponds. Vous mentionnez qu'à la Côte Claire, que ce que je viens de dire, a été brouillé en 2011-2013, 2012-2013, renouvelable par tacite. Là encore, il y a quelque chose qui ne marche pas. Quand le 27 avril 2010, René et Gilles Barabé ont signé un contrat de 14 999,60 en rémunération. Quand moi, la Halle, en 2007, m'a été refusé à 6 000 en redevance pour cause déjà jugée trop bas, c'est-à-dire. De plus, vous mentionnez que c'est des contrats renouvelables tacites pour deux autres années. Avec toutes les magouilles intérieures, il n'y a personne qui nous a qui était intéressé à part moi et les frères Barabé. Comme illustré plus bas, j'ai perdu trois autres contrats avec les magouilles des fonctionnaires. OK, ça, pour ce qui répond avec ça, moi, je l'ai mis sur Internet. Vous voyez que Gilles Barabé, c'est des contrats de 3 ans dans notre pantacite. Là, le 2010, c'est, comme vous voyez, c'est le numéro 6. 14 999,60. René et Gilles Barabé ont signé un contrat en 2010. Le numéro 6, c'est en bas, là. En énumération. Le ministre s'engage à payer l'entrepreneur au prestataire de services suivant les modalités prévues au document annexé ainsi. Bon, comme vous voyez, c'est le ministère qui paye Gilles Barabé, Gilles René Barabé, le 27 avril 1999. Il y a deux choses qui ne marchent pas, pourquoi c'est pas bon, ça, là. Bien, ça, c'est bon, on veut dire, mais quoi qui cloche? C'est le contrat renouvelé par tacite. Moi, en 2010, quand Barabé a soumissionné, c'était à lui, là, je suis certain que c'était à lui, j'ai été au ministère des Transports, puis Karine Bournival m'a dit qu'il l'avait à ce prix-là, en rémunération. Il y avait de quoi qui ne marchait pas. Parce que moi, en 2007, ils m'ont enlevé à 6 000 en redevance, disant qu'il avait évalué trop bas. Il y avait d'autres choses, vous allez voir. Là. Fait qu'il y a de quoi qui ne marche pas. Pour qu'en fait, que lui, il m'a rien mis de moi, autrement dit, parce qu'en rémunération, c'est le ministère qui paye. Quand tu simules la redevance, c'est moi qui le payais. Là. Fait que vous voyez, c'est magouille par-dessus magouille. Puis en plus, pour qu'en fait, qu'il n'y a pas eu ces 2 années de plus renouvelables par tacite, pour vous dire pourquoi, facile à comprendre, d'accord. Je vais devancer qu'est-ce qu'ils vont dire encore, on va avoir les preuves sur Internet. En allant voir le ministère, Barabé là, en 15 000 en rémunération. Je dis, Mago, il y a encore avec Barabé, et les petits amis. Donc, ils ont revenu en soumission. Ils ont probablement, je ne dirais pas directement, parce que faut-tu le prouver, mais vous voyez tout ce qu'il y a eu avant, c'est Internet. Ils ont probablement manigancé avec un autre. Tu sais, ils faisaient soumissionner les autres qui n'étaient pas intéressés pour soumissionner plus bas, plus haut que Barabé, pour y laisser. Fait que, probablement qu'il y en a un autre qui est rentré en jeu. Puis lui, il a fait ses 3 ans. Là, tu sais. Facile à comprendre, c'est toujours de même, eux autres. Fait que là, autrement dit, ils vont dire, bien là, Barabé, il l'a eu avec 1 an, il est revenu en soumission, probablement qu'ils vont dire que là, il trouvait que c'était pas assez payant, puis il l'a laissé tomber. Hey! Tu sais, il ne marche pas, il a mis les 52 000, 62 000 à la redevance. Y a-tu des Mongols qui se perdent, là, quelque part, là? Fait que, vous voyez, c'est encore ça, là. Pour s'il y a de l'autre clause, en dernier, ils disent il faut savoir que pour pouvoir participer aux appels d'offres sur invitation régionalisée, il est de la responsabilité des personnes, des entreprises intéressées à se manifester par entreprise, une corporation écrite en ce sens. Il apparaît que nous n'avons pas reçu une lettre de votre part indiquant clairement vos intérêts. Là, je lui réponds. Hey, t'es un peu. OK. Enfin, vous mentionnez, en tout cas, tu viens de dire. Là, je réponds, wow, là, on déconne. Hey, en 2002, dans la magouille qui a favorisé Barabé, là, qui l'ont donné, là, puis il a exclu tous les autres soumissionnaires, puis moi, il n'y en a rien mais d'autre. Puis ils l'ont donné à 80 000 de moins, ces deux côtés, qui ont fait perdre 80 000 $ juste pour l'année 2002 au Trésor public.
Là, en 2003, avec mes pressions, en venant en soumission, à 62 000, Barabé a mis en redevance. Là, en 2015, ils ont venu en soumission. Fait que là, ils ne pouvaient plus me bloquer parce que là, ils avaient coincé encore, là, comme quoi qu'ils n'étaient pas corrects. Fait que là, pour me rendre plus difficile les soumissions, ils ont fait des appels d'offres publics qui étaient sur Internet, que fallait que je paye. 80, 90$, je ne sais plus, là. Fallait que je paye en 2004 puis en 2007. Il n'y avait pas des invitations régionales, qu'il y avait eu des falsifications en cours, comme quoi qu'il n'y avait pas de caution, quand c'était 5 000 de caution avant, toutes les preuves sont sur Internet. Enfin, vous voyez, là, c'est magouille par-dessus magouille. Là, ils viennent dire, ils ont l'audace, puis le culot de dire que je n'ai pas envoyé de demande écrite. Hey, ça ne marche pas, là. Il y en a eu plusieurs avant, il en envoyait tout le temps. Là, c'est supposé être sur Internet. Appel d'offres publiques. Qu'a fait qu'ils reviennent à l'invitation régionale parce qu'ils ne veulent pas que Halloween sur Internet puis qu'ils envoient l'invitation générale directe à leurs petits copains. C'est ça la vérité, là. C'est noir sur blanc, là. On ne peut pas être plus clair que ça, là. Tu sais, à moins d'être débile puis con, là, comme celui qui nous traite de curulent, là, faites-vous soigner les Mongols. C'est clair, ça. On a des droits. Il faut les exprimer. On n'a pas besoin d'avocats parce que des avocats, on sait, c'est des crosseurs puis des menteurs. Puis ils vont prendre pour les celui qui sont plus gros, puis nous autres, des trous de cul, ils se crissent de nous autres, ils nous font peur, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est lui qui sont sur nos sites Internet, là, qu'on se bat contre le système. Ils savent que ce que je dis, c'est vrai. Puis il y en a d'autres, ils savent aussi. Mais ils ne veulent pas s'en mêler, les autres ne sont pas concernés. C'est pour ça qu'on a des débiles au gouvernement qui croient tout parmi. Puis qu'on paye, puis on finit pas de payer parce qu'ils savent que la plupart, c'est des cons puis qu'ils paieront pas. Tu sais, ben, c'est la vérité, il faut le dire. Les Québécois, c'est une gang de pissous. La grosse partie. Fait que c'est vrai pareil, puis c'est la vérité, puis les preuves sont là. Fait que mon vidéo, vous voyez, ça l'explique ma mise en demeure. Puis je vais mettre, en plus, la mise en demeure votre Internet. Puis je vais mettre aussi les liens de. Autrement dit, de casser que je vous ai mentionné là-dessus. Comme quoi, qu'est-ce que je dis, j'ai toutes les preuves, puis la vidéo est là aussi. Puis vous allez voir les preuves noir sur blanc. Les falsifications de documents, tout ça, là, vous allez voir ça. Ça a été sur Internet, mais ça va être en bas. Juste pour référer pour ce qu'il y a ce cas-là. Fait que, eux autres, vois-tu, c'est la deuxième. Puis il va y en avoir probablement une troisième plus tard. Puis là, après ça, il faut que je m'occupe aussi de mon dossier CSST pour les envoyer des mises en demeure. Puis toutes les magouilles et les aggravations que j'ai eues, là. Fait que je pouvais pas répondre durant 6-7 ans. J'étais pas capable. Là, je suis popé, mais faut pas que je fasse rien. Sinon, encore un mal partout, puis à dormir, ça va être des problèmes. T'sais, puis toutes les magouilles, puis même la fausse jurisprudence qu'ils ont faite à propos de RCM, groupe RCM, avec André Mayotte et tout, ça avec que je suis capable de le prouver. Mais pas aussi directement que ça, là, mais avec ce que je vais vous dire. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Que lui, ça a pris 3 ans, moi dans 2 mois, avant tout. Là. Fait que, tu sais, quand il marche pas. Fait c'est ça, ça finit ça pour ça, puis j'espère que ça va être assez clair. Puis si c'est pas assez clair, ben, qu'il y en a qui me communiquent, puis qu'il y a des questions que je suis capable de répondre. Je suis pas comme les cons, là, qui nous traitent de quérulants, puis qu'eux autres, ils ne répondent même pas à ce qu'on remarque. Fait que, voyez comment ils sont mongols. Moi, je lui ai dit de me répondre, je suis capable de répondre à ce qu'ils disaient. Puis, ils ne leur communiquent pas, ils sont mongols. Les mongols, ça l'attaque les autres, ça parle des autres dans le dos, mais en cachette. Vous voyez, il y en a plusieurs sur notre site Internet, c'est ça aussi. Ils parlent dans le dos en cachette, en hypocrite, font de la diffamation, ils disent n'importe quoi. Là, ils se mettent toute une gang sur ton dos. Moi, il y a une couple qui vient sur mon dos, là. Pas longtemps, là. Moi, je m'en crisse, là. Tu sais, moi, je sais, j'ai des collègues, je suis capable de les trouver. Fait que je me crie-tu une gang de débiles qui ont des besoins de docteurs, là. Puis les autres n'ont pas besoin de docteurs. Puis il y a des docteurs qui ont besoin de docteurs. Vous l'avez vu sur mon site Internet. Fait que, tu sais, je me fiche, là. Comment qu'ils me diraient qu'on est curulent ou qu'on est malade mental. Malade mental qui disait la vérité, il était pas mal moins malade mental qu'un homme qui dit n'importe quoi. Non? Fait que, quand à moi, ils peuvent pas aller. La vérité, là, ils peuvent pas aller chier, là. Fait que, puis même, je peux même lui fournir le petit pot qu'on avait dans le temps. J'en trouverai un, puis je lui fournirai le petit pot. Fait que tout de même, faire un petit peu de moi aussi.
Fait que salut tout le monde, puis à la prochaine, parce qu'avec moi, on va en avoir d'autres.